Bonsoir à tous, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire une petite guidance sentimentale, je pense. J'ai encore la météo des signes que j'ai commencé hier à faire, mais là, c'est une petite parenthèse au niveau des météos. On dit crène presse, alors du coup, ben, je vais prendre des cartes et on va voir ce qui se dessine. On nous parle d'un rêve qui devient réussite. On me parle de la concrétisation, de l'attente d'un amour que l'on pensait perdu ou que certains pensent encore perdu, et pourtant, il est bien présent dans les pensées de cet homme. On me parle d'un homme, ça peut être une femme. Une femme qui porte plutôt l'énergie masculine. Voilà. Qui, pour certains, pensent que cet amour est perdu et, parce qu'ils ont raté le train, et qui, pour d'autres, semble très effrayé à l'idée de saisir l'opportunité qu'ils ont ratée peut-être il y a déjà de cela quelques années. Il semblerait quand même que ce soit il y a quelques années. Et aujourd'hui, on vous dit ben, que si cette opportunité se représente, c'est certainement qu'elle est faite pour vous. Sinon, elle ne se représenterait pas. D'accord? Donc, on vous conseille d'arrêter de pourparler et de saisir cette chance qui ben, se repointe le bout de sa truffe, j'ai envie de dire. Et de ne pas se laisser entraîner par ses peurs. C'est marrant, j'ai publié tout à l'heure une photo sur la chaîne, vous la regardez si vous voulez, sur les peurs en fait. Sur le Facebook aussi. Donc c'est rigolo, c'est que ça devait vraiment. J'ai une autre image qui me vient, je pense que je la publierai à la suite de la vidéo pour peut-être finir le triangle de la peur. C'est moche, on dirait qu'on va buter quelqu'un. Bon, enfin voilà. Donc, des énergies assez douces et assez lourdes à la fois, en tout cas, pour cette personne, pour ces personnes et les personnes qui se sentiront concernées par le message. On vous dit que oui, effectivement, il y a des peurs, mais par rapport à des douleurs du passé, mais que, il est temps de saisir cette chance. Je vous le redis, si cette chance repasse sous votre nez, c'est qu'elle vous est réellement destinée. Laissez derrière vous les trahisons passées qui ne font qu'amplifier vos doutes et nourrir votre mental. Ah, voilà, on me parle de masculin sacré quand même. Hein. Ça aurait été étonnant en même temps, vous me direz. Qui est sorti de cet emprisonnement, mais de cet emprisonnement en tout cas, de tout ce qui était karmique, etc., voire même des énergies tierces, on tend où on s'en est débarrassé, mais là, les blocages sont le reflet réellement, pardon, de vos peurs. De vos peurs ben, de vous planter, j'imagine, de reproduire et de se dire que ben, cet amour est si fort que, ben oui, forcément, hein, si c'est un amour en couple sacré, c'est rien de ce que vous avez connu et vous n'êtes pas au bout de vos belles surprises, en tout cas, c'est la magie du couple sacré, mais et on vous dit que justement cet amour jamais ne meurt et que ben, les trahisons passées, vous pouvez les laisser à l'aise derrière, à l'aise blaise, les laisser derrière et y aller. Mais en tout cas, j'ai des masculins, ben ouais, pour certains, qui ont traversé des choses compliquées, hein, des explosions au niveau des émotions et de la douleur, mais qui aujourd'hui ont envie d'être heureux, hein, ont envie de saisir l'amour par la main, et on leur dit qu'il est temps. Il est temps de saisir cette opportunité et de ne pas se laisser aller aux frasques de votre mental, de votre ego. Ça ne sert à rien. La peur émane de vous. Votre féminine sacrée jamais, jamais, jamais ne cessera de vous aimer. Voilà. C'était le message du jour, je crois. On a fini avec le béline. On va prendre un message de ton âme, me dit-on. Masculin sacré, crois en ton destin, en fait. Alors, pour certains, on me dit qu'il y aura de la correspondance quand même à venir.
notamment au niveau des énergies du week-end qui sont très fortes à ce niveau, très fortes à ce niveau-là. Moi, je les ressens très lourdes, je suis hyper fatiguée. Mais je sais pas vous d'ailleurs, bon, il y a la chaleur, mais pas que en fait. Vraiment, voilà. Marre. Je ressens quelqu'un qui en a marre. Marre de tricher, marre de porter des masques, marre de fuir aussi, marre de fuir son destin. En tout cas, quelqu'un qui a les clés. Qui a les clés, la main sur la porte et qui a envie d'y aller. Qui a envie d'y aller, mais j'entends encore effrayé. Alors chouchou, si tu continues à jouer les vierges effarouchées, on n'a pas le cul sorti des ronces, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Allez, voilà. Aimer, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Voilà. Il est temps. Il est temps, il est temps, il est temps. On le dit depuis un moment, mais là, je sens que, ouais, on est au bout du chemin, là. On a traversé les épreuves. On ne s'en est pas complètement remis, hein. On est sur le chemin de la guérison. Mais c'est même pas qu'on procrastine, c'est qu'on a peur de se louper. Et on se dit quelque part, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Comment cet amour... Voilà, enfin, toujours pareil, cet amour si fort, machin, ben, ouais, ça peut ressembler à aucune autre, tu peux, masculin ou en tout cas masculine, tu peux pas rationaliser cet amour-là, c'est pas possible. Donc effectivement, en te disant, oui, je vais me rater, ça ne ressemble à rien de ce que tu as connu, et c'est inexplicable. Donc à l'impossible n'est ni tenu, on ne peut pas rationner l'irrationalisable, et donc on ne peut pas expliquer l'inexplicable. Voilà, tu es sur ton chemin, tu as les clés, tu sais, vas-y. D'accord? Et c'est ça, ben voilà. Alors, aimer, à la suite, on a récolté. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. J'ai l'impression, enfin, on me parle d'âme d'enfant, en fait, les enfants intérieurs d'âme d'enfant. Autant du côté de la féminine et du masculin, là, je ressens qu'ils sont au diapason dans ce qu'ils ont envie de vivre. C'est là, si ça se fait pas et si on crée des retards, ou en tout cas si on ferme encore des quatre fers, c'est comme si ils se ressentent, ils se savent, ils se reconnaissent, ils vibrent, hein, au diapason. Mais effectivement, bon ben, l'ego est encore là, mais on me dit que c'est l'amour de dont il rêve depuis enfant, en fait, dont tout être humain rêve ou espère. Alors évidemment, ce sont des conditions et le travail qu'il y a autour, on est bien d'accord, mais en tout cas, masculin, on te dit que oui, c'est bien ça, tu te trompes pas, c'est ce que tu touches du doigt. Pardon, j'ai besoin de m'hydrater. Oui, c'est bien ce que tu touches du doigt, tu ne te trompes pas. Et là, on te dit de recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc tu vois, masculin, on te dit aimer, récolter, recevoir. Je pense que c'est juste magnifique, et les messages de ton âme. Que tu ressens, hein, d'ailleurs. Que tu ressens, mais... Ça y est, je m'étouffe. Ça, c'est le chakra-gorge en général. Et du coup, c'est pour ça que je suis fatiguée. Je ressens vos émotions. Ouais, alors j'ai la gorge qui se serre. Je pense que... ouais, j'ai des masculins qui n'arrivent pas à s'exprimer, en fait. C'est comme si c'était des masculins qui étaient là, qui avaient envie de revenir. Mais genre, je sais pas comment te dire je t'aime. En gros, c'est un peu ça. C'est pas un peu ça, on dit c'est carrément ça. D'accord, ok, ça c'est posé. Bon, alors, je sais pas moi, entre la Vierge effarouchée et le côté je sais pas comment m'exprimer, comment on va pouvoir t'aider, masculin, comment faire? Ben je sais pas. Tu sais, je crois que je t'aime, ça veut tout et rien dire. Trouve ta façon de vibrer, en fait. Et c'est un amour qui est pur, intense, etc. C'est pour ça que ça te fait flipper et que tu es effrayé et que c'est compliqué à rationaliser. Donc genre, tu rationalises pas, tu reçois et tu ressens. Eh bien, exprime-toi la manière dont tu ressens. Cherche pas à faire de grandes phrases, de faire la danse du pan ou je sais pas quoi.
ou de la libellule pour aller dragouiller ta belle chair et tendre. Juste, tu vas la voir et tu lui dis que tu penses à elle et que, ben voilà, que tu as envie de la respirer. T'écris la suite, tu vois, tac, 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 tac. Et puis, ben, si tu sais rien dire d'autre que je t'aime, dis je t'aime, quoi. Je pense que de toute façon, si tu vibres la bonne note, elle va recevoir la bonne note. On disait tout à l'heure que ta féminine reçoit ta vibration. Vous êtes au diapason, là. Voilà, il est temps. C'est là, les retrouvailles, l'union, là, la fusion pour certains. Là. Et alors, ben, cherche pas à écrire un poème si c'est pas ton truc, quoi. Enfin, parce que bon. Parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le coup? Donc voilà, ben ouais, hein, on me parle de feu, on a beaucoup travaillé, et du coup, ben, on me parle des signes de feu, là, hein, des signes de feu qui sont, pour la féminine peut-être, qui sont aptes à recevoir, qui ont eu quelques petits soucis émotionnels, là, mais qui sont réglés. Alors peut-être que masculin, ceux qui ont des féminines, qui ont des. On parle des Sagittaires, entre autres, etc. En tout cas, qui ont une féminine, qui leur ont fait ressentir peut-être des énergies assez fortes, hein, de feu, de réactivité, de colère. On te dit que c'est normal, hein, n'aie pas peur. Et puis, ben, écoute, on me parle aussi de feu sacré, donc oui, hein, feu sacré, envie de sa féminine de façon charnelle, envie de la retrouver, envie de lui parler, de partager. Bref, on ne tient plus sur sa chaise. J'ai l'impression d'avoir. Parce que j'ai l'impression que je vois sous les yeux un enfant qui est sur une chaise qui gigote, là, vous savez, tac, tac, tac. Genre mon fils, rien que ça, sans aller chercher trop loin, ouais, qui tient pas en place 2 minutes sur sa chaise, ben, masculin, c'est comme ça que je te visualise. Comme un enfant, là, sur ta chaise, qui monte, qui descend, qui machin. Et tempête, en fait, t'en peux plus, là. Ouais, ben oui, mariage céleste, ben, c'est normal. Là, tu ressens le feu du mariage céleste, c'est normal, vous avez travaillé pour ça. Et oui, c'est la révolution. C'est la révolution. Et je sors la carte du conquérant. T'es tel un conquérant qui a envie de retrouver sa terre. Alors attention, hein, féministes et autres, là, qui je les entends s'emballer. Ouais, tu compares la femme à une terre, machin. Non, c'est bon, prenez juste l'image, d'accord? Voilà, donc ouais, t'as envie de retrouver ton chez-toi, ta terre, ta promise. Ben, ta moitié, voilà, et ben oui, hein, c'est en gestation depuis un moment, et parce que là on me parle, oui, hein, pour certains, ça a été en gestation depuis un moment, et cet amour te perturbe, j'en ai qui n'en dorment pas, mais en miroir, hein. Alors masculin, si tu fais l'effort de peut-être de communiquer avec ta féminine, tu seras surpris de voir qu'elle aussi ressentait une énergie, parce que ben. Pour la plupart des féminines, elles vous espèrent, masculin, hein, j'espère que vous attendez pas, c'est la dépendance affective. Gna, gna, gna. Mais non, mais après, vous flagellez pas, bien sûr que dans l'esprit, tu es espéré, tu es attendu, masculin. Donc, ben, les perturbations ne sont que le reflet aussi des ressentis humains. Hein. Quand tu vibres l'amour, ben, forcément, ça perturbe. Ça prouve juste peut-être que tu es vivant. Sans aller te prendre le chou de te dire oh là là, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? Ben, juste peut-être le merveilleux, ben ouais, hein, j'ai la carte de l'enfant. Essaie de ne pas te sacrifier, hein, de ne pas te sacrifier. Alors là, c'est un masculin qui sort du sacrifice, hein, en se détachant du passé, des énergies tierces. Même si tout n'est pas en place, on s'en fout. Mais là, on me parle plutôt de sacrifice dans le sens où ne repars pas dans le sacrifice de toi-même en sacrifiant. Ce rêve que tu touches des doigts et que tu es en passe d'obtenir. Voilà ce que l'on te dit. Parce que si aujourd'hui ça se représente à toi, on te dit que c'est parce que ça t'est destiné, mais il n'en sera pas toujours ainsi. Donc, ce qui, littéralement parlant, traduction veut, je pense, expressément dire que ça se représente aujourd'hui, pas dit que ça te soit représenté une autre fois. Voilà. Pas dans cette vie, en tout cas.
Et puis, ben, aujourd'hui, tu es sorti de tes illusions. Il y a beaucoup d'espoir hein, chez le masculin, en tout cas, ceux dont je capte l'énergie. Beaucoup d'espoir de vivre cet amour avec cette féminine qui, finalement, ils espèrent et qui sont très surpris d'espérer parce que pour certains, ils tombent un peu du cocotier, mais qui ont envie que ça aille vite et en même temps, qui freinent des cas de fer, justement, par ces peurs et ces illusions. Et ces illusions, on te dit masculin qu'il n'y a que toi qui les crée. Et puis bon, on a toujours la possibilité, quand je dis on a toujours le choix, on a toujours le choix de ne pas faire le choix ou de faire le choix d'aller vers sa féminine. J'ai envie de te dire, si tu as envie de rester très terre à terre, et pour ceux qui sont un peu moins perchés, on me dit, ouais, connectés ou machin, ou voilà, et qui sont nagent dans des eaux troubles, ben, garde à l'idée de ce pseudo libre arbitre, parce que le lien jamais ne se coupe, mais tu peux faire le choix de ne pas le prendre. Avec ses conséquences. Mais là, puisque tu en as envie, ne te crée pas des illusions et du sacrifice supplémentaire, puisque tu en sors là douloureusement, tu viens d'en sortir. Donc, sois mignon, chouchou, de pas nous en créer d'autres là. D'accord? Donc, mais une fois que tu seras allé voir, ben, si ça ne te convient pas, tu as toujours le pouvoir de décision de t'en aller. Et de changer d'avis. On a le droit de changer d'avis. Mais pour changer d'avis et se dire, ah ben non, ça ne me plaît pas, c'est comme les plats avec les enfants. Quand tu dis à ton enfant te dit, ah j'aime pas, qu'est-ce que répond un parent? Tant que tu n'as pas goûté, tu ne peux pas savoir. Eh ben, j'ai envie de te dire la même chose, masculin. Tant que tu n'es pas allé voir pour de vrai, cette fois-ci, pas juste les allers-retours là et du petit jeu du chat à la souris. Je reviens, je repars, tu vois le coup. Donc là, puisqu'on te donne l'occasion et qu'on te dit oui, ça se représente à toi, tu ne rêves pas, tu as cassé un cycle. Tu as eu un premier, un deuxième, on va vous ramener à votre histoire, hein, autant de cycles de déception et de trahison amoureuse douloureuse. Donc tu te relèves à peine pour beaucoup aujourd'hui. D'accord? Et tout n'est pas guéri, certes, mais tu as sous le nez de nouveau. Une opportunité qui se présente à toi et qui t'est pas étrangère, puisque visiblement ça t'a déjà été représenté une fois ou deux fois, voire plus, on me dit pour certains. Donc, dis-toi que si tu casses ces cycles et qu'on te représente à la même chose positive sous tes yeux, il est peut-être temps de se dire, vas-y, j'y vais. Tu vois le coup? Parce que sinon, tu vas nous reproduire encore des cycles qui vont craindre. Eh ben, dis-toi que si ça s'est produit une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, il y a des chances que la 11e soit la même si tu choisis pas ta lumière. Tu vois le coup? En plus, tu en as envie, je le ressens, mais c'est un truc de dingue. Je ressens que wow, les mots sont au bord des lèvres. On a envie de saisir la main, là. C'est dingue. Ben ouais, la lumière, alors tellement. Je ressens tes émotions, que je suis perturbée, que je me fous mes cartes à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit. Je ne suis plus moi-même, je ne suis plus moi-même. Donc, je comprends mieux pourquoi c'était plus important que de faire la météo des signes ce soir. D'ailleurs, vous me pardonnerez, je ferai la météo des signes. Je continuerai ce week-end, promis, promis. Mais là, je suis trop fatiguée pour faire autre chose que celle-ci. Et puis alors là, masculin, tes énergies, elles sont en train de me tuer là. Ça y est, c'est la mort du petit cheval. Ouais, la lumière. La lumière, elle est là, la lumière, elle est là, ta lumière. C'est elle, ta lumière. Tu le sais en plus. Tu le sais, masculin. Ah là là. Mais on ne pourra pas le faire à ta place, en fait. J'entends quand même qu'il y a certaines féminines là qui vont créer des ouvertures. Peut-être envoyer un message au masculin parce qu'elles n'en peuvent plus de ces silences, de ces machins. Et pour certains, je sens qu'on va, pour ceux qui étaient endormis et englués dans leur silence, même maladroitement, on va y aller. Alors, attendez-vous peut-être à ce que certains masculins arrivent un peu de façon légère, sous le biais de l'humour. Ouais, j'ai l'air, ouais, l'air, la légèreté. Bon. Mais on s'en fout, l'essentiel c'est qu'ils reviennent vers vous. Pour d'autres, eh ben, je ne sais pas. Certains rateront, ouais, il y en a certains qui rateront probablement le train. Hein. Malheureusement, ça peut pas être pour tout le monde. Hein. En miroir peut-être avec des féminines qui sont encore dans la dépendance. Donc ça aussi, bon.
Mais ça, ce seront des suspensions. Mais donc, du coup, cette, vous, de toute façon, vous le savez, hein, c'est, ce sont des guidances collectives, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais prenez que des messages, n'essayez pas de faire à votre sauce. Mais malheureusement, oui, j'en ai qui vont rester derrière, ça c'est sûr. C'est certain. Mais alors là, pour les masculins qui saisiront pas leur chance, on vous dit, c'est l'envol de la féminine assurée. Alors là, elle se casse, c'est, y a, c'est ni fait ni à faire. Il n'y a même pas besoin, on me dit, d'en discuter 3 jours. Mais on voulait vous le redire. Bon, donc du coup, ouais, j'ai de la changement, hein, du changement vers la stabilité. Hein. Une stabilité de dingue, hein, une harmonie de dingue, un amour de dingue. Une passion de dingue, j'entends. Waouh, c'est j'en ai la respiration coupée. Ouais. On est sous protection là. On est sous protection du divin. On est touché par la grâce. Il y a plus qu'à cueillir. Hein. C'est, je vois quelqu'un qui rentre voilà, dans un champ, qui se promène ou dans un jardin, ouais, dans son jardin, et qui n'a plus qu'à cueillir sur la branche. Voilà, sur la branche, les fruits ou sur au ras du sol, les fleurs. Bref, c'est l'abondance assurée. C'est l'abondance assurée. Et du coup, il y a tellement d'énergie là que mes cartes, elles ont du mal à se désolidariser. J'aime pas trop aller les chercher. Je préfère qu'elles soient du jeu. Alors, on va être patient et on va voir. Ah, voilà. Ah ouais, en fait, masculin, en y allant pas, t'es en train de t'infliger une punition. Une punition qui est pour le coup pas méritée, parce qu'on te dit que pour beaucoup, on vous dit que pour beaucoup, la dette est payée de façon karmique, sur le plan karmique, et que c'est pour ça que on autorise les réunions hein, de certains couples sacrés. Mais aujourd'hui, si punition il y a, et pour ceux qui se disent oui, mais non, mais c'est la fatalité, mais peut-être on va punir, ça va pas bien se passer, enfin blablabla, blablabla, tout ce dont on a discuté avant, et ben c'est toi masculin qui va t'infliger une punition alors qu'on t'offre la réussite. Voilà. Donc, bien sûr que c'est les énergies de pardon, hein, l'amour hein, est au bout du chemin. Après, on me dit que pour certains, il y a un petit blocage au niveau peut-être de l'énergie tierce. En tout cas, celle qui peut partager la vie de votre autre. Alors, bien sûr, elle est toujours là. Alors, même s'il y a un détachement de votre autre, ferme et définitif, me dit-on, et des décisions de prise, il semblerait quand même qu'il y ait de la jalousie et de la vigilance de cette tierce au niveau du masculin, qui est relativement pénible et très jalouse parce que ben, elle a compris que la personne avec qui elle partageait sa vie était partie, définitivement partie. Pour certains, ça a été verbalisé. Hein. Pour d'autres, c'est en passe de l'être. Et on me parle aussi de travail. Alors, peut-être pour certains, soyez vigilants sur le fait qu'il pourrait y avoir un travail, en tout cas, des choses un petit peu occultes, faites à l'encontre de votre autre, ou peut-être à votre encontre, mais surtout à l'encontre de votre autre, par jalousie justement de ces énergies tierces-là. Énergie proche de votre autre. Alors on va pas devenir superstitieux, puis moi vous savez, les poupées vaudou, trucs machin, j'y connais pas grand-chose, mais en tout cas je le ressens. Je le ressens, je le vois. Je le vois et je le vois aussi à travers cette carte. Voilà, il y a l'énergie tierce, mais derrière. Peut-être qu'elle fait des choses pas très jolies, hein, cette personne. Voilà. Donc, on lui dit d'arrêter tout de suite. Parce que je sais aussi que j'ai des tierces qui m'écoutent. Voilà, je ne suis pas complètement fada. Je sais qu'il n'y a pas que les couples sacrés. Hein, il y a aussi des énergies tierces, des couples sacrés qui écoutent les guidances. Et que donc, bah, énergie tierce, tu m'entends, on te dit arrête de suite, on t'a vu, quoi. Voilà, comprendra qui veut. Ensuite, ça c'est dit, c'est fait, c'est mis à faire. Ben oui, ma chérie, hein, mon chéri, énergie tierce, sont à capter. En gros, c'est ça. Donc, ben, ta vigilance et tes manigances n'auront aucun succès. Voilà ce qui est dit. Donc, bah, écoutez, vous m'irez dans les commentaires si ça vous a parlé. En tout cas,
Moi, je sais à qui ça s'adresse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, hein. Un masculin qui est sur le chemin de la guérison. Le chemin de la guérison qui touche du doigt. Oh là 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 là. Naissance, libération, harmonie, guérison. Non, mais sérieux, quoi. Naissance. Naissance de cet amour, là, la gestation, ça y est. On est à la naissance de son chemin de vie, de tout ce qu'on a toujours espéré. C'est qui est une libération. On va vers l'amour et la guérison. C'est beau. Ce serait quand même... ce serait ballot de passer à côté de ça quand même. Qui aimerait passer à côté de ça? Et on me parle encore de sacrifice. Eh ben oui. Le sens du sacrifice de ce masculin, en fait, vient aussi de l'éducation peut-être qu'il a reçue. Hein, on en parlait déjà dans notre vidéo. Voilà, de la famille, là, peut-être pour certains. Alors, il y a deux cas de figure. Un masculin qui parle à des amis, qui lui disent « Vas-y, parle, libère-toi, peu importe la façon, saisis ta chance. » Et en parallèle, entre les énergies de jalousie d'une tierce, là, où on est un peu agacé, et on fait quand même attention à ce qu'on fait pour pas... envenimer des situations qui sont peut-être déjà compliquées, même si on a décidé de se barrer. Et une famille qui incite au sacrifice. Au sacrifice du ben oui, t'es marié, ou tu es engagé, ou tu es père de famille, ou tu as ci, ou tu as là, nanana. Mais genre, de quoi je me mêle en fait. Vous voyez? Je me mêle, ok. De quoi je me mêle. Voilà. Faites en votre âme et conscience. Vivez votre libération. Qu'est-ce qu'ils savent de votre vie? Qu'est-ce qu'ils savent de votre destinée? Qu'est-ce qu'ils savent de ce que vous ressentez? Suivez votre cœur, justement. Le sacrifice, vous n'avez pas à vous sacrifier au nom des bons ou mauvais conseils de ce qu'espèrent les gens. Parce que ce que vous reprochez les gens, c'est souvent le reflet de leur propre sacrifice à eux. Donc, ils se disent que ben, vous êtes en état de faiblesse et ben, du coup, et de vulnérabilité. Donc, ils pourraient peut-être projeter leur non-action et leur miroir sur vous. Comme ça, ben, ça les empêche de balayer devant leur porte. Et ils vous foutent la culpabilité devant la vôtre. Et comme vous êtes vulnérable, vous dites « Ouais, peut-être, le doute, machin. » Non, mais ça, on dégage ça. Hein. Next. Et puis, voilà, on vit sa vie. Hein, parce que les bons conseils des uns et des autres, ben, j'ai envie de dire, on s'en tamponne la coquille, quoi. Hein. C'est ni fait ni à faire. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire là-dessus ou pas? Non. Ok. This one, c'est ça? Exact. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message là? Menez votre autre. Ouais, on me parle de maison. Ça n'est pas tombé. On me parle de maison. Ben ouais, de construction, de maison, d'avenir. Pour certains, c'est vraiment un déménagement. Hein. On change de maison. On invite sa féminine. On invite sa féminine parce qu'il y a un déclic, il y a un réel déclic hein, sur ce que l'on veut construire. Et on veut construire ça avec sa féminine. Hein. C'est évident. C'est sa féminine que l'on veut, dont on rêve. Et pour de vrai, la nuit, on y pense tout le temps. C'est incessant. Voilà. Et pour laquelle, j'entends, on a quand même envie de se battre. Hein. C'est un masculin qui est décidé à se battre pour vous, pour certaines. Hein, et pour certaines... Voilà, à se battre pour ce dont il veut, parce que pour certains, ils sentent bien que ben leur féminine est lumineuse et que ben peut-être ils sont pas allés seuls là dans les starting blocks. Et ouais, et on s'attire comme des aimants, hein. Toujours pareil, on s'attire comme des aimants, ben oui, et oui, et oui, et oui. Comme dans tout couple sacré, c'est le lot, et c'est ce qui en fait la magie aussi. Hein. Est-ce qu'on a autre chose? Non. Bon, mais c'est super. C'est super. Donc, des masculins, ne te crée pas des peurs et du sacrifice et de la punition. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Donc, vas-y.
saisis ta chance au vol. On te dit qu'elle est pour toi. Le feu de mon amour scintille en toi. L'évidence n'a de candeur que par l'existence. Aucun doute, moi aussi, je pense à toi. L'intériorité est une découverte de votre monde intérieur. Explorez pardon, ce qu'il y a de plus beau en vous, vous recelez des trésors inestimables et insoupçonnés. Votre âme se soulage et explore sa grandeur. Chaque étape lui permet de réaliser ses avancées. Elle accueille chacune d'entre elles comme un cadeau, une reconnaissance, une bénédiction. Voilà, l'harmonie, l'équilibre et la complétude désirent vous accompagner vers les plus hautes sphères de lumière. Ah, voilà, donc laissez-vous baigner par la lumière, laissez-vous emporter par cet amour en fait que vous ressentez. En plus, ça vous étouffe, je le sens, quoi. Ça vous étouffe. C'est pas simplement que vous savez pas comment lui dire je t'aime ou comment revenir, c'est que c'est un amour qui vous étouffe. Ben oui, pour vous le vivez pas. On vous l'offre et vous ne le vivez pas. Je me centre sur mon cœur. La confiance en soi. Vous ne le vivez pas. Donc, eh ben, on vous fait ressentir et ça vous oppresse. Allez-y, allez-y. Libérez tout ça. Vogue vers de nouveaux horizons. La confiance en toi ne viendra que de toi. Votre âme s'amuse et se délecte de votre parcours. Elle se libère et s'affranchit de ses chaînes. Elle évoque la légèreté, la reconnaissance et l'aboutissement d'une épreuve. Elle connaît vos difficultés, valorise vos efforts et annonce un triomphe. Recevez toute sa gratitude. Votre passé vous apporte l'expérience, la prudence et la force. Elles deviennent les fondements de votre vie. Osez, vous réussirez. Celui qui ne tente rien n'a rien. Donc faites le pas. Celui qui ne tente rien n'a rien. C'est évident, c'est une évidence. Faites le pas. On vous dit qu'il vous suffit de faire juste un petit pas pour accéder à l'amour véritable et à un bonheur insoupçonné. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisissez-la à bras le corps. Saisis-la à bras... On va recommencer. 1, 2, 3. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà. Je crois qu'il n'y a rien à dire de plus. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je pense que je vais peut-être faire un petit signe du zodiaque avant de faire un gros dodo. Je vous souhaite une belle fin de soirée, une belle nuit. Et puis, ben, écoutez, toujours pareil. Si vous souhaitez me joindre par mail, et soyez patient, la réponse arrive. Pas à la seconde, mais elle arrive toujours vers vous. À bientôt. Bisous, bisous.